Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Timon Shape et c'est un plaisir de vous entraîner aujourd'hui. Et aujourd'hui la Team Shape, c'est parti pour un entraînement de 5 minutes à la maison pour se muscler le dos avec un élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, c'est pas grave, vous pouvez soit en commander un sur mon site, le lien est dans la description, ou alors cliquer sur une autre vidéo de ma chaîne YouTube. J'ai déjà fait plein de vidéos à la maison sans matériel pour travailler le dos. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors c'est parti, on attaque dans 10 secondes. Premier exercice, le good morning. Vous placez vos pieds dans l'élastique que vous accrochez à votre cou comme ça, vous mettez les mains devant vous, vous allez plier un petit peu les genoux, le dos droit jusqu'à ce niveau là et vous remontez. Là vous allez travailler vos lombaires, cette partie qui est juste là, voilà, voilà, tout doucement, ça sert à rien d'aller trop vite, vos genoux sont un petit peu fléchis, vous descendez suivant votre souplesse d'ischio. Bien sûr, si vous avez des élastiques plus durs, ça sera forcément plus dur. Allez. Encore. Super. Prochain exercice. On l'a déjà fait ensemble. Vous prenez votre élastique, vous placez les deux pieds à l'intérieur. Vous allez pencher votre dos comme ceci et là, tirez. Voilà, le dos est droit, vous regardez le sol devant vous, les genoux sont un petit peu fléchis, vous tirez bien les coudes en arrière, vous serrez les omoplates quand vous êtes en haut et on relâche doucement. Allez, encore. Super. Au moins avec l'élastique, plus d'excuses pour ne pas faire de sport en vacances. Là, vous pouvez en faire partout. Ok, super. Bon, les gars, on va travailler un exo qui travaille ici le rhomboïde et aussi un petit peu les épaules. Comme ça, les deux pieds à l'intérieur. Les mains ici. Et là, hop. Comme ceci. Et on descend doucement. Allez. Vous allez sentir le dos travailler en descendant progressivement. Voilà, allez. Si vous avez une porte ou une poignée, je vous montre, vous pouvez aussi faire celui-là. Comme ça. Et comme ça. Celui-là. On le sent encore mieux celui-là. Allez. Super. Prochain exercice, en place au sol. Hop. Vous pouvez mettre soit les deux pieds dans l'élastique, soit un seul pied. Ou alors les deux pieds et tirer avec une main. Je vous montre deux variantes. Suivant bien sûr votre force, vous tirez soit comme ça, le plus loin possible, soit avec une main et vous changez. Vous faites 10-12 répétitions d'un côté et 10-12 répétitions de l'autre. Voilà, on tire bien le coude. Là, le coude est presque tendu, un petit peu fléchi. Et là, c'est parti à 90 degrés. Là, vous le sentez vraiment derrière. Et quand vous avez fini, vous faites l'autre côté. Super, allez. Génial. Prochain exercice, le soulevé de terre, pareil que tout à l'heure, on prend l'élastique comme ça, on le place au sol, comme ça, là vous mettez les fesses en arrière, les genoux un petit peu fléchis et hop, vous remontez jusqu'à ce niveau là, vous redescendez et vous remontez. Allez, c'est très bien. Encore, allez. Si c'est trop facile, vous prenez l'élastique un petit peu plus bas à ce niveau-là. Et là, ça va être plus dur.
en gardant toujours le dos droit, c'est super important. Je veux pas de dos comme ça, dos droit, les épaules en arrière. Allez, encore, encore, là ça travaille les lombaires, le dos, le gainage, ça travaille tout. Yes, bravo! Pour ceux qui veulent commander mon élastique Team Shape, le lien est dans la description. Si vous le commandez aujourd'hui, vous êtes livré dans 3 jours. Important maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête. Juste ici, une nouvelle vidéo entraînement tous les jours. Hey, si vous avez encore de l'énergie, cliquez ici et faites une autre vidéo sport. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bam!